Merci de faire de la Télé-Pacifique votre rendez-vous en matière d'information. Voici les titres qui vous seront développés dans ce journal. 20 000 gourdes, soit environ 308 dollars américains. C'est l'assistance procurée par le gouvernement jeudi à 200 marchands sinistrés de l'incendie du marché Hippolyte. Cette somme ne nous permettra pas de reprendre nos activités, déplorent certains bénéficiaires. Pourquoi les sapeurs-pompiers de Port-au-Prince n'ont pas réussi à limiter les dégâts lors des deux récentes incendies de marché public ? Pour tenter de répondre à cette question, nous reviendrons sur un reportage réalisé il y a environ 10 mois par Télé-Pacifique sur les mauvaises conditions de travail de ce corps. Le vote de la résolution transférant le rapport Petro-Caribe à la Cour supérieure des comptes le 1er février dernier continue de diviser les sénateurs de la République. En conséquence, les minoritaires s'opposent à la tenue des séances statutaires au Grand Corps. Le gouvernement haïtien suspend provisoirement le permis de fonctionnement de l'ONG Oxfam Grande-Bretagne pour faute grave, sanction qui risque d'être définitive si l'enquête de l'État haïtien prouve que les fonds récoltés au nom d'Haïti ont financé des cas d'exploitation sexuelle. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa renmen pran asirans. Yo konsidere ke son l'ajan rejete. E poutan, l'ajan asirans te dwe nan budje ou akote l'ajan kay ak l'ajan manje. Li la pou li de ou travese son mouve pa. Gade tout akote ou. Ou awe kouman gro problem kon antre sou moun sans atan. Mande Dje pardon, sa ka rive ou tou. Ini assurance di ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison, a fait comme si ou pas de jambe connaît ou. Ini assurance a pris ta vie au bout du jour, continuer vivre la vie ou, quitter ce course là, nan men nou. Ini assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la Télé-Pacifique, chaîne 54, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les sinistrés de l'incendie du 12 février au marché Hippolyte commencent à recevoir chacun un chèque de 20 000 gourdes dans le cadre du processus de leur dédommagement. Près de 200 petits commerçants ont déjà bénéficié de cette maigre assistance octroyée jeudi au local de la primature au Bicentenaire. La ministre des Affaires sociales et du Travail, Stéphanie Auguste, membre de la commission interministérielle chargée du dossier, a donné la garantie que toutes les victimes seront dédommagées par le gouvernement. Ces propos recueillis par Mario Sylvain et David Mercieux. C'est pour nous montrer, non, qui Jean, président Jovenel Moïse, depuis le incendie, du feu a été pris dans ma chair, rapide, il était metté en commission sous pied pour être capable entrer en contact avec ma chanyo. Et dans la même optique, ça, commission depuis jour ça, toute équipe qui toujours sous terrain, nous-mêmes qui toujours en contact avec ma chanyo, qui toujours relé au parler avec eux, nous là je dis, Jean ministre commerce l'a dit, parce que le gouvernement a pris responsabilité. Nous avons un pile dans nous qui côté liste ba nous permettre nous identifier nous c'est à travers de liste ça yo nous regrouper de façon symbolique jodia pour nous prendre 200 machines nous connaissons pas 200 machines qui perdu mais gain équipe souterrain toujours équipe ministère commerce équipe ministère conditions féminines équipe affaires sociales qui dans marché là actuellement cap prend doléance l'autre machine président Jovenel Moïse prend ça à cœur et li bay commission chaque jour pour nous souterrain pour nous en contact avec Bachanio pour nous pas quitter au débrabala. De son côté, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Eunide Innocent, a indiqué que le gouvernement a pu identifier les vraies victimes du sinistre pour éviter de biaiser le processus de dédommagement. Elle a aussi promis de distribuer des kits alimentaires aux marchands. Ses déclarations. M'a dit merci à toute marchande, gros, tant qu'ou petit, qui t'a accepté collaborer avec nous.
nan ba nou nan yo, nan ba nou telefon nou, nan di nou nan ki secteur yo tap évolué. Et puis di nou environ à qui font marchandise là, à qui quantité l'argent perdu yo et évolué. Nan toute liste que nous te recevoir yo, faut que nous te screener yo. Faut que nous te vérifier pour nous te voir est-ce que exactement moun qui devant nous c'est moun qui t'a vendu la marché et c'est moun qui perdu. L'état prend responsabilité pour lui faire un geste nous dit qui un geste symbolique que nous pral remettre by 200 marchands même Jean collègue moi sont dit là 200 marchands que n'a remettre une enveloppe. N'a remettre yo un petit provision pour qu'al rentrer la caillou pour la vie capable recommencer la vie a recommencer la caillou la vie a recommencer dans famille la vie a recommencer dans marché. Plusieurs bénéficiaires jugent insuffisant le montant de 20 000 gourdes, près de 308 dollars américains qui leur a été alloué par le gouvernement. Cette maigre somme ne nous permettrait pas de reprendre nos activités, déplorent-ils. Écoutons leurs propos. Écoute. Rien que dans ça nous perdons. Tu es sûr comprendre? Qui veut dire, président, bah nous allons ça, nous très bien apprécier, nous comptons pour ce faire ça avec nous pour ce des fois. Et bah ils vont passer comme pas. Même font un geste du tout regarder Machado, nous fait geste ça avec nous, nous bien content. Pour nous là, nous que d'avoir 20 000 gouttes ça, bon, pas qu'à dire ça nous casse la veille, mais n'a pas qu'un béni, nous cap. Mettez sous lié, mais nous continuons l'activité, nous même si par exemple, même j'alte. On m'apprécie comme la première fois. Depuis qu'on bâton qui met dans mon, on dit toujours faire ou ta peine. Et si vous n'avez pas un bâton, on a plus mal. Mercredi, les membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, ont répondu à la convocation du Sénat autour des deux incendies qui ont carbonisé des marchés publics dans la capitale la semaine dernière. Au menu des discussions, la nécessité de doter le pays d'un corps de sapeurs-pompiers fonctionnels. Il y a environ 10 mois, deux de nos collaborateurs avaient réussi à faire un tour dans les locaux hébergeant les sapeurs-pompiers de Port-au-Prince. Le constat était alarmant. Essayons de comprendre pourquoi cette unité n'a pas pu limiter les dégâts dans ces deux centres commerciaux publics en dépit de la bonne volonté de ses membres avec ce reportage signé Isdras Fizemé et Jimmy Ojour. Il est midi, mardi, nous sommes au local des sapeurs-pompiers de Port-au-Prince au bicentenaire. À l'entrée, des flaques d'eau et des tonnes d'immondices constitue un environnement peu accueillant. Sur la cour, traînent 7 camions dont 5 sont tombés en panne depuis quelque temps, alors que le service d'incendie de la capitale est souvent sollicité par plusieurs régions du pays. Une situation dénoncée par les agents du feu qui réclament de meilleures conditions de travail, incluant un meilleur salaire. Le camion à garder là, c'est seulement 2 grands camions là qui desservi toute population. C'est quand même pour moi, c'est même qui pour accueillir, c'est même pour tout côté. Oui, mais l'autre même qui est ce côté là. C'est lui même qui est là pour un cas d'accident. C'est ma poêle de retour, quand nos machines sont en panne depuis 3-4 ans. Transférés depuis 2 ans au bicentenaire, les sapeurs-pompiers de Port-au-Prince se sentent négligés par les instances concernées. Ils disent espérer une intervention urgente en vue de leur permettre de mieux remplir leur mission. Rien, depuis les matins, les matins, reproche également aux responsables d'avoir laissé passer sous silence la Journée internationale des sapeurs-pompiers le 4 mai dernier. L'occasion, selon eux, de valoriser ce métier encore méconnu dans le pays. À quand la prochaine séance statutaire au Sénat de la République? Les sénateurs minoritaires s'y opposent à condition de trouver une entente autour du transfert du rapport Petro-Caribé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif suite au vote d'une résolution du groupe majoritaire le 1er février dernier. Le manque de respect manifesté par le président du Sénat, Joseph Lambert, à l'égard du groupe minoritaire ne fait qu'alimenter la crise qui paralyse le Sénat, explique le sénateur Jean-René Sénatus, qui dit d'ailleurs relever des failles au niveau de cette résolution publiée par l'exécutif. Jean-René Sénatus.
Les contribuables fréquentant le centre de réception et de livraison des documents d'identification de Pétionville dénoncent la persistance de difficultés techniques ralentissant les services fournis par cette institution. Ils appellent les instances concernées à prendre des dispositions pour améliorer la qualité de ce service, non sans conséquence sur leur quotidien. Reportage Marc Sondors et Eric Guernoël. Des problèmes de connexion au réseau, c'est la principale justification qu'avancent les employés du centre de réception et de livraison de documents d'identité de Pétionville pour expliquer la lenteur des services. Après de longues heures et même des jours d'attente, les contribuables de différents âges exigent de nouvelles explications. Depuis 5 heures du matin, je me lève dans la cabane, je suis venu. Dans la tête ligne, je ne fais pas, je ne suis pas venu, je ne suis pas rentré, je ne suis pas passé. Et si on police contre eux, dans la rue, on a l'âge pour taguer 4 là. Du contrôle dans la rue, on ne peut pas prendre ses difficultés à joindre. Il n'y a pas de retour pour lui et pas un service à vraiment. 22 jours. Depuis que je cherchais, je n'ai pas de signal. Au mois de novembre, que je dépose un passeport ici. Depuis le mois de novembre, juste la journée aujourd'hui, que je marche des passeports, je n'ai pas de journée. Depuis lundi, il y a un problème de signal qui est posé ici. Or, je regarde, il y a des gens qui sont venus, qui sont entrés avec des autorités, qui sont passés. Pourtant, il y a un signal pour en tant que tu gênes. Le signal, il y a un problème. C'est ça un problème qui est posé, la population a souffert, il y a des gens qui sont là, qui viennent des passeports. Rendez-vous sur rendez-vous, on n'y a pas jamais marché. Je suis venu chercher. Il y a 8 jours, et il y a 100 mois, je ne Ces citoyens fustigent les autorités compétentes qui, dans les médias, ne cessent de clamer l'amélioration du service de livraison des documents d'identité. C'est archi faux, démentit-il. Comment nous comprendre ça? Nous pays qui a fonctionné, pas capable un système pour bailler en population service. Ça sont bagages qui supposent être très sensibles avec mon pour bailler mon service. Normalement, nous ne pas supposer camper bon arrière là pour prendre un service là. Tu as supposé un service dans chaque département pour mon joindre. Mais normalement, vinn gagne un côté. Yo joindre, tu as supposé joindre en facilité. Parce que nous pas gagne pays. Si nous avons un monde qui t'a géré pays à pour nous. Grand monde qui m'aime pas depuis matin pour camper non en ligne. Les premiers à faire les frais de ce dysfonctionnement des services sont ceux qui doivent voyager à l'étranger pour des urgences. Ce jeune homme, par exemple, aurait dû se rendre à Cuba il y a un mois déjà pour subir une intervention chirurgicale au niveau des yeux. Sans passeport, il reste cloué en Haïti, impuissant. Il faut mal opérer, moi j'ai tant de choses pour me régler. Ouais, ça m'a besoin là, pas de café, comme si dans les yeux. J'ai besoin là, et m'expliquer avant, m'expliquer dans les yeux que j'ai besoin pour mal opérer. D'accord avec moi? Je ne vais jamais faire, c'est pas juste du tout. Hein. Bon, moi j'ai une question. Premièrement, si ça qu'a fait là, il n'y a pas qu'à respecter. Bon, qui ça qu'a respecter dans le pays ça encore? Il y a toujours un problème. Le pays ça pas jamais comme si. Pour moi même, je ne vais pas souhaiter mal pour lui. Parce que c'est haïtien, mais natif, mais ouais, il n'y a pas jamais faire. Non, Cuba, j'ai besoin d'aller à Cuba là. Donc, ce qui est bon, c'est qu'on va en big deal pour mettre un visa, pour imagine le passeport, qui est même là, passeport, c'est pas bon du tout. Les citoyens appellent les instances concernées, notamment l'Office national de l'identification nationale, ONI, organe du ministère de l'Intérieur, à résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Les responsables du centre de réception et de livraison des documents d'identité de Pétionville ont confirmé hors micro que le retard constaté au niveau des services résulte véritablement d'un problème technique. Fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.